Allez, c'est à vous de vous installer dans votre posture. Fermez les paupières. Le bassin est ancré, posé. Libère les épaules, allonge un petit peu ta colonne grâce aux appuis. Libérez vos mâchoires et retourne tes yeux, un point fixe entre les sourcils. Le ventre décontracté, observe ta respiration. Accueille ton état, ta respiration, même si c'est un petit peu compliqué, tu accueilles telle qu'elle est. Ton corps, peut-être qu'il y a des petites tensions, des courbatures, hein, si tu pratiques tous les jours, il y a peut-être des choses qui se révèlent, un petit peu en profondeur. Accueille ton environnement, l'espace, hein, que tu as créé pour ta pratique. Tes mains. Voilà, et tu ouvres les mains et tu les joins ensuite au centre de la poitrine. Tu étends bien tes mâchoires et tu diriges le regard toujours sur un point fixe entre tes sourcils. On la pratique avec le mantra Ong, on fera trois fois. Le ventre est décontracté, un peu plus peut-être pour inspirer. Vous le rentrez bien pour souffler. Complètement. Et encore inspirer, ventre décontracté. Ventre, le ventre, soufflez. Inspire pour chanter. Inspirez, ventre décontracté, rétention. Rétention contractée à fond, périnée, entre le ventre. Maintien serré, périnée, ventre. Épaule basse, allonge ta nuque. Pointez le bout de la langue au sommet du palais. Pleine présence. Et structurez en même temps votre posture pour avoir un sentiment d'allongement de colonne sans non plus être en tension. Les appuis du sol allongent le corps. Maintien périnée, ventre serré. Soufflez en libérant vos mains sur vos genoux. Voilà, tu prends le temps pour ramener les mains près des épaules. On démarre tranquillement. Aujourd'hui, c'est sur la zone des reins, surrénale et voilà, petite détox. Mouvement, ça va être. Je vais inspirer en ouvrant les bras, les mains. Donc, vous voyez, c'est l'espace suffisant autour de toi. Paume des mains vers l'extérieur. Expire, tu ramènes tes mains vers toi. En fait, tu ouvres les doigts, tu vas tenter de ramener la base des paumes des mains, auriculaire et pouce ensemble. Paf. Ça s'appelle un mudra lotus. Vers toi, quoi. Naturellement. Paume, tu tapes. Tu crées une percussion. Inspire, paume des mains vers l'extérieur. Expire, paf, ici. Inspire, expire, inspire. Ton rythme, bien sûr, mais créer une percussion. Des percussions va comme créer une vibration qui va aller dans le bas du dos et qui va voilà, commencer à activer la petite détox. Bon. Et là, quand tu l'expires, ferme tes paupières, les yeux sont retournés. Et tu rentres simplement dans l'expérience, dans le mouvement. Là, tu lances ton mouvement, tu laisses le mouvement s'installer et toi, tu te focalises vraiment plus sur ton cycle, ta respiration, le point que tu fixes avec tes yeux, entre les sourcils, et après tu laisses faire, ça marche tout seul. Allez, vas-y, rentre dans l'expérience, ton rythme, ta vitesse.
Et tu ralentis le mouvement pour inspirer les bras ouverts, paume des mains vers l'extérieur, rétention, épaules basses. Rétention, verrouille, périnée, ventre. Allonge la nuque, baisse les épaules, c'est compliqué, plie un peu tes coudes. Langue pointée au sommet du palais, les yeux retournés. Pose ton bassin, la colonne est érigée grâce aux appuis. Les fondations soutiennent, les appuis soutiennent la posture. Gracieuse, maintiens périnée, ventre serré. Expire, plie les coudes, ramène les mains vers toi et libère ensuite complètement tes mains sur tes genoux. Paume de main vers le ciel. Voilà, ventre décontracté ensuite hein, pour laisser venir la respiration. Toujours encore cette pratique intense, efficace. Premier exercice, hop, ça y est, tu rentres dans l'expérience. on fait le ménage encore et encore, hein, on fait la place. On ouvre les canaux, les nadis, les méridiens, pour que ça puisse circuler, l'énergie puisse facilement aller dans tout le corps. Et c'est ta respiration surtout hein, que tu veux qu'elle circule. Donc laisse-lui la place. Donc là, simplement, décontracter le ventre. Ça puisse fonctionner aussi. Ancrer bien le bassin. Comme si tu es prêt à faire un saut. Donc sans bien sûr sauter, hein, c'est juste avant. Il y a ce sentiment d'être alerte, d'être disponible musculairement. Voici. Voilà, le visage détendu. On va continuer à explorer la respiration du feu. Voilà, c'est l'intensité aussi, c'est efficace. On y va directement. Il faut bien l'apprendre, bien la faire. La clé, toujours, inspire mini et grande expire. Hein, si tu découvres cette respiration, pendant une minute, on va revoir. C'est seulement avec le nombril. Tu es enceinte, tu es dans ton cycle quasiment, ouais, tu sens que c'est un peu sensible. Tu pompes doucement. Tu t'appelles au périnée, sinon tu pompes le ventre. Tu rentres le ventre pour libérer, on va respirer par la bouche, décontracter, inspire légèrement par la bouche, et t'expire le son HAR, H-A-R, HAR. Quand tu rentres le ventre, t'expire normal, hein? HAR, 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 HAR. Quand je rentre le ventre, j'expulse l'air, et en temps, je fais le son HAR, 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 HAR. Alors, le but du jeu, c'est que tu puisses passer de cette respiration la même, hein, même respiration, sauf que tu passes de la bouche, du son, au nez. Uniquement, inspire, expire, par le nez, donc du har, har, har. Avec un rythme, ton rythme à toi. Tu découvres dès que c'est plus lent, si c'est trop compliqué, tu t'emmènes un peu les pinceaux, tu sens que oh, tu as la tête qui tourne. Voilà, respire normalement, hein, c'est OK. Ça prend peut-être un peu de temps pour intégrer cette respiration. Qui est, voilà, au fil du temps, quand tu pratiques bien, on peut la faire pendant 3 heures de suite, il n'y a pas de problème. Hein, parce que tu inspires très peu. Hein, si tu inspires juste un petit peu trop, ben ça monte à la tête. Et là, on n'est pas bien. Ça peut faire oh là là, ça tourne, etc. Donc, si tu fais vraiment avec une petite goutte d'inspire, et bam, expire tout, bam, ça va éliminer plutôt que remplir et déborder. Expire encore une dernière fois, bien, bien, inspire, bloqué, ventre décontracté. Tu tiens, tu serres le périnée, tu rentres le ventre, souffle et décontracté pour respirer. Ok, donc si c'est compliqué, tu respires normalement. Toujours inspire petite, grande expire. Tu vas étirer tes auriculaires. Tu vas lever les coudes et tu vas attraper l'un et l'autre. Tac. On ouvre les pouces aussi. On tire les coudes de chaque côté. Épaules basses, les pouces sont dirigés vers le ciel. Tu regardes tes pouces, tu regardes tes coudes, parallèles, etc. Nickel. Épaules basses, donc pour bien sentir le bassin, pour faciliter l'allongement de la nuque sans non plus être figé. Tu fais des petits mouvements de ta colonne. Léger, hein, tu sens que tu es souple. Si tu n'as pas d'appui et que tu es
avec tes fesses. Donc, je n'ai pas d'appui, je vais me figer. Et là, je n'ai pas de souplesse. Je suis un raide. On trouve. Hein, c'est vraiment, tu peux onduler facilement. Hein, ce n'est pas sorcier. C'est vraiment juste se connecter aux appuis. Et là, ça marche. On tient bien de chaque côté. On crée une petite pression. Tu veux détacher le doigt opposé. Et fermer les paupières. Respiration du feu. Si c'est compliqué, respiration longue et profonde. Voilà, vous créez toujours une pression suffisante hein, pour avoir un sentiment de voilà, ça tire bien de chaque côté au niveau des mains, les doigts, les petits doigts. Voilà, tu as la posture, tu as la traction, les paupières fermées, les yeux retournés. Et ramène de plus en plus de conscience dans ta respiration. Un mouvement dynamique ou lent et profond selon ta capacité. Et tu ramènes plus de conscience dans ta respiration pour simplement laisser la posture être. Expérimente cela, essaye, explore, étudie. Tu vas ta respiration, expirez bien dans la posture, inspirez, bloquez. Activez bien vos appuis, vos tractions de doigts opposés. Serre périnée, ventre, allonge la nuque, épaules basses. Descends les épaules tout en allongeant tes bras, tes coudes. Côté langue au palais, les yeux retournés. Tirez, tirez, tirez un peu plus. Doucement, expire, ventre creux, en libérant la pression des doigts. Et libère tes bras, tes mains. Passe tes mains sur tes genoux ou ailleurs. C'est pas secouer un peu. Et laisse le ventre se décontracter. Laisse vivre, laisse faire. Tendance à peut-être toujours tout contrôler. Ok, on peut peut-être. L'espace au moins dans la respiration, laisser faire. Il faut bien installer le corps. Il faut laisser faire, peut-être ajuster si besoin, décontracter, libère tes mâchoires. N'hésite pas à libérer les jambes sans que tu as besoin. Tu peux me garder les jambes devant toi. Hein, si tu veux. Pour la suite, on aura juste la respiration. Ce sera une respiration du feu, mais pas
par la bouche. Alors, canon, donc la bouche en haut. Donc, je vais en haut avec la bouche. Là, danger, entre guillemets, hein. Le truc, c'est que tu peux avoir tendance à trop inspirer. Hein. Par rapport aux narines, la bouche, ça, c'est plus gros. Donc, si tu inspires trop, pareil, tu hyperventiles, donc bien. Donc, très léger et t'expires bien. C'est compliqué la respiration du feu, respiration longue et profonde par la bouche. Sinon, allez-y. Ralentis, expire bien, inspirez par la bouche, rétention, bloquez marabanda, activez périnée, ventre, le menton un petit peu rentré, pointez-vous la langue au sommet du palais, les yeux retournés. Tiens bon, présence, périnée, c'est une détente dans le corps, t'es pas en train de te figer, t'es dynamique, actif, active dans les zones du corps. Et les yeux retournés. Tu maintiens bien les ventes serrées. Soufflez jusqu'au bout. Du bout. À la fin, tu décontractes le ventre et t'installes la respiration. Tu laisses faire. Voilà, accueille les effets dans le corps, dans ton... tes états profonds. Alors, encore un petit peu de pratique en posture assise. On fera les jambes. Et là, pour l'instant, assis, on n'hésite pas à libérer un petit peu les jambes. Secouer, étirer, tapoter, masser. Voilà, quelques secondes pour ensuite passer à la suite. Donc, pendant que tu masses, si tu sens que tu as besoin, que tu bouges tes jambes, je te montre la suite. Donc là, on va mettre l'avant-bras gauche dans le dos. Le poignet gauche. De la main gauche contre le dos. C'est ça, tu vas voir comme ça. Hop, la pointe de main dirigée vers l'arrière. Hop. Tu poses, tu tournes. Hop,
Simplement, tranquillement, tu laisses la zone naturelle au niveau de ton bras et l'avant-bras. Le bras droit, donc vers l'avant, sur l'horizon, dans l'axe de ton épaule, tu lèves ta main environ 60 degrés, un petit peu, hop, comme ça. Les doigts sont joints, 60 degrés. Je te montrais juste le profil, mais c'est dans l'axe de ton corps. Voilà, donc là, on va revoir la respiration avec le son. Respiration du feu, le son c'est har. Faire. Donc le pompage du nombril, har, har, har. Là, on fait ça tout le temps. Donc, tu pompes bien sûr en fonction du ventre, tu as le ventre sensible, tu es enceinte, tu vas vraiment tranquille. Sinon, tu vas profondément. Hein. Har, 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 har. C'est parti, on y va ensemble. Har, 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 har. Attention, Mahabandha. Activé en serrant périnée, ventre, menton un peu rentré. On déboule la langue au sommet du palais, les yeux retournés. Maintien périnée, ventre serré. En expirant, vous ramenez les mains, bras, avant-bras devant vous. Prends le temps. Là, tu ramènes en fait l'avant-bras gauche devant toi, paume de main devant toi naturellement, et tu mets la main droite sur le poignet de ta main gauche. Tac, voilà, après au niveau du plexus. Tu descends légèrement le menton, allonge la nuque, tu ouvres un petit peu tes paupières et tu regardes l'espace entre tes avant-bras et ton corps. Voilà, respiration longue et profonde. C'est tout, juste être là, posé, respirer. En conscience, ventre décontracté.
Voilà, accentue ta prochaine. Expire pour ensuite inspirer dans le ventre décontracté. Rétention. Rétention, Marabanda. Anus, sexe, ventre serré. Monte ton ventre un peu plus. Longe la nuque. Langue pointée. Fermez les paupières. Les yeux retournés. Un point entre les sourcils. Périnée. Activez périnée, périnée en profondeur. Posez bien les os des fesses sur le sol. Ancrez-vous et en même temps allongez-vous. Tu maintiens périnée les ventres serrés pour doucement ensuite expirer en libérant tes bras, tes mains. Reste dans cet état d'observation, de contemplation intérieure. Laissez faire la respiration pour bouger un petit peu le corps. Bouger les jambes, travailler un peu en bas. Le long du tapis ou le long de la cuillère comme espace. Et là, simplement, on va prendre le mieux, c'est peut-être d'être sans coussin. Mais si tu as besoin, toujours mets un coussin sur les fesses, pas avoir un sentiment d'être tiré en arrière, de ne pas pouvoir basculer. Donc tu peux basculer facilement, sinon tu mets un coussin. Allonge tes jambes devant toi, et tu as les genoux fléchis. Donc tu laisses l'espace, tac. Et tu as les genoux et les pieds parallèles. Sauf si tu as un gros ventre, tu es enceinte, ouvre un petit peu bien sûr tes jambes, hein. Toujours adapté. Donc tu plantes bien les fesses, tu peux même lever une fesse, donc tu appuies une fesse d'un côté, et la fesse qui se lève, tu tires la fesse, la peau de fesse en arrière. Hop, tu tires un petit peu, tic, et pareil à l'autre côté. Donc ça rapproche un peu plus, hausse des fesses. Je pense que tu as plus de le côté pointu, tic, ancré. Plantez bien hausse des fesses et talons vers la terre. Tranquillement, tu plantes bien, on allonge les bras, plie les phalanges sur elles-mêmes, et tu pointes tes pouces. Où tu pousses tes pointes comme tu veux et tu entres en mouvement. Donc, vous adapterez par rapport aux flexions de genoux. On va avoir un dos plat, donc dos droit. Hein. Donc tu vas inspirer et expirer. On attendait. Inspire en arrière, pardon. Expire en avant. Voilà, inspire en arrière, dos plat. On ne te laisse pas aller, dos plat. Pose des fesses qui tiennent la posture. Expire en avant. Les appuis qui m'entraînent, hein. Je presse mes fesses vers l'avant, vers l'arrière pour entraîner le haut de mon corps. Les bras, eux, suivent le mouvement, toujours parallèle. Donc, c'est pas, je descends et je monte, et hop, j'adapte le mouvement pour toujours maintenir les avant-bras, bras parallèles. Avec le mouvement, inspire, donc, en arrière, expire en avant. C'est parti. Et adapter, bien sûr, avec la flexion de genou, si c'est compliqué, tu rapproches tes pieds. Si c'est trop facile, tu peux allonger tes pieds un petit peu en avant.
Et tu ralentis, réduis l'amplitude pour revenir au centre, droit, inspirer, rétention, les bras parallèles, serre périné, ventre, épaules basses, nuque allongée, les yeux retournés, accentue bien les appuis, un peu plus les talons peut-être, et aux fesses pour hop, descendre les épaules, allonger la nuque. Tu tiens ta posture, maintiens périné, ventre serré pour souffler, libérer doucement tes bras, tes mains, libère les genoux vers l'extérieur. Bouge un peu le corps à ta façon. Un petit peu. Voilà. Je t'invite à rester en posture colonne droite, verticale. Tu puisses voir l'écran et je te montre la suite. On secoue un petit peu, mais reste hein, là, dans l'état que crée la pratique. Je te montre. Hein. Je t'invite à rester en posture assise. Et bien, donc, sur le dos, je passe par le côté. Du côté, je roule sur le dos. Hop. Je mets les mains sur mes fessiers, les genoux vers le ciel, donc pied au sol. Je tire les fessiers vers mes talons. Paf. Pour allonger ma colonne. Je tire, tu vois, tu prends ici, sur le côté, bien sûr. Les coudes au sol, un peu l'appui de pied. Et j'allonge ma colonne. Je fais au maximum le dos plat. Là, il n'y a plus de cambrure, donc là, j'adapte. Enfin, la cambrure, elle est inévitable. Hein. C'est juste ton dos qui est comme ça. On ramène les doigts sur la tête. On tire un petit peu en arrière. Hop. On allonge la colonne en direction opposée. Si la cambrure est inévitable, presser un petit peu les pieds pour ramener, basculer le bassin et mettre un dos plat. Les bras longs du corps. Je vais tenter de mettre les paumes de main vers le ciel et de presser mes talons sur mes doigts. Tac, chaque côté. Si c'est impossible, tu mettras les talons près des mains. À côté. Donc, je presse bien mes talons, l'avant des pieds, ici, petit orteil, gros orteil, vers le sol. Le mouvement, ça va être de monter et descendre le bassin. Donc, je presse bien hop, la zone des épaules, un peu la tête. Et mon sacrum, qui est à plat comme ça, c'est lui qui va gérer le mouvement. Pour maintenir, toujours éviter la cambrure. Donc je monte, dos plat maximum, expire, tu montes, tu descends. Je te montre. C'est comme si tu voulais tirer coccyx, tu as une longue queue de reptile, et tu voulais la tirer vers toi pour maintenir coccyx et sacrum allongé. Inspire, hop, tu montes. Comme ça, on évite. Hein. Là, je ne pousse pas mon ventre, j'ai le ventre rentré et coccyx allongé. Le moment de rentrer, j'inspire en haut, je suis pas là où tu peux. Expire en bas. Tu libères tranquillement le bassin au sol. Inspire, expire. Ok. Donc, allez-y. Prenez le temps de vous installer. Vous roulez sur le côté. Prenez vos appuis. Et du côté, tu roules sur le dos. Adaptez bien la posture. Posez bien le bassin. Allongez le bassin. Hausse les fesses vers tac, vos talons. Tu allonges ta colonne vers le bas. Et pareil pour le haut. Les bras longs du corps. Si tu peux, tu poses les talons sur les doigts. En fonction, plus ou moins loin, selon ce qui est possible. Si c'est compliqué, ben, tu ne poses pas les talons sur les mains. Tu gardes les bras longs du corps. Donc l'appui des pieds est important pour t'aider à monter. Tranquillement, prends peut-être le temps pour le premier ou deuxième mouvement. Appuie bien le haut du corps, les épaules, la tête pour inspirer, tu tires coccyx vers le ciel, vers toi, à l'intérieur. Hop, inspire, expire, toujours coccyx tiré pour maintenir un dos plat, allongé. Inspire en haut, expire en bas. Et c'est parti. Démarre doucement et quand tu es bien, tu accentues le mouvement, la vitesse. Tu ralentis, tu inspires en haut, tu fais rentrer le ventre, c'est ce qui est comme tiré vers l'avant, vers l'intérieur. Serré périné, ventre,
Allonger la nuque. Maintenant, on peut rentrer si tu peux. Langue pointée, les yeux retournés. En expirant, on tient bien coccyx vers le haut et vers l'intérieur pour dérouler en partant du haut du dos. Tu déposes ta colonne jusqu'au bassin. Et ensuite, tu libères tranquillement les mains dessous les pieds, si c'était le cas. Maintiens les pieds au sol et les genoux fléchis. Voilà, un petit temps juste sur le dos à laisser respirer. Décontracter le ventre, laisse respirer. Ouais, prends le temps pour rouler vers un côté et du côté, tu prends les appuis d'un porpétus, les genoux fléchis. Prends les appuis en soufflant pour t'aider à remonter. On est venu vous reposer. Donc, si je vais peut-être vous montrer avant. Alors, vous vous installez dans la posture. Donc, je partirai en quatre pattes. Donc, plus simple du quatre pattes. Vous avez l'espace, de, voilà, l'espace d'un tapis. Je vais me refouler le tapis, je te montre avant d'y aller. J'allonge mon corps, mes bras vers l'avant. Nuque allongée sans poser le front au sol et je monte en quatre pattes. Je garderai les fesses en arrière. Donc tu pointes tes fesses. On a différentes comme ça. Les épaules sont loin des poignets, on recule. Je presse bien les mains au sol. Et j'aurai un genou plus au centre. Dans ce cas-là, c'est le droit. Je vais lever la jambe gauche. J'inspire, jambe étirée pour ne pas avancer les épaules en arrière. Dos creux légèrement, coccyx, sacrum qui sont. Un peu les pièces centrales, ouvre un œil, j'inspire ici, creuse un peu le bas de dos, légèrement. Expire, tu enroules le coccyx sacrum qui va le rentrer, qui entraîne le dos. Inspire, ça tient dans l'autre sens. Expire, ça arrondit. Tu as le menton qui suit le mouvement. Hein. Expire, rentre et dos rond. Inspire, expire, ce sera dynamique. Ok. Allez, démarrez par vous poser sur vos talons, c'est pas déjà fait. Et de là, tu. Plie ton dos droit, tu poses tes mains au sol et tu glisses les mains, le corps s'allonge au maximum loin devant toi. Le front reste levé, parallèle au sol. Toujours mieux de faire en soufflant, vous rentrez le ventre pour souffler délicatement et en soufflant, appuie dans tes mains genoux pour monter le haut du corps qui entraîne le bas du corps. Tu montes en quatre pattes, tu as un dos creux, direct, naturel, tu lâches ton dos. Paf. Ne cherche pas à pousser le nombril vers le bas. Hein, tu lâches ton dos, les appuis sont là pour soutenir normalement. Ok, donc le genou droit un peu plus au centre. Dès que tu veux garder les yeux un peu ouverts pour surveiller tes mains et ne pas rapprocher les épaules. Soit en mouvement. Là, en immobile, c'est facile. Tu auras en mouvement, tu auras envie d'avancer. Les yeux un peu ouverts. Tu trouves ta posture, en plein équilibre sur le genou droit. Allonge ta jambe gauche pour creuser un peu le dos. Tu ouvres un peu le haut du corps. L'appui des mains de droite t'accompagne à monter. Inspire ici, expire, bon, tu enroules le coccyx sacrum, la jambe vient, le menton aussi, paf, inspire, expire. On démarre doucement et quand tu es bien, tu peux dynamiser le mouvement. Accentue l'expire. Ensuite, pour inspirer, jambes étirées, tout dans tes bras, allonge la nuque, lève un petit peu le menton, la tension, ça périne les ventres, allonge la nuque, pointé, expire doucement, ramène le genou gauche au centre, un peu plus,
jusqu'à nos quatre pattes, quelques respirations. Surtout bien garder les épaules loin des poignets. On trouve des appuis, cette dynamique pour allonger la jambe droite. Inspire ici, expire, tu enroules. Et tu ralentis le mouvement pour inspirer, ensuite jambes étirées, rétention. Faisant tes bras, allonge un peu le menton de la nuque. Ça va périner, rentre le ventre. Langue pointée, le regard entre les sourcils. Ensuite, le temps pour expirer, ramener les deux genoux au sol. Et vous ramenez ensuite les fesses sur vos talons. Tu ramènes tranquillement, tu déposes. Enchaîne doucement, tu ramènes les coudes au niveau de tes genoux. Tu crées un blocage entre tes genoux et tes coudes. Petite rencontre. Maximum tes fesses sur les talons. Tu déposes. Et tu joues à tes paumes de main. Voilà. Le sens qui se passe dans tes jambes. Va créer un peu le même mouvement. Dos creux, dos rond. Cette posture, donc, ça va être beaucoup plus restreint. Donc, le mouvement, ça va être la pression des coudes vers les genoux qui va aider. J'inspire, donc je pousse mes coudes vers l'avant pour hop, ouvrir la poitrine. Donc, tu creuses un petit peu comme ça. Ça va lever un petit peu, lève un petit peu les fesses. Et t'expires, tu déposes ton bassin, tu enroules, tire un peu coccyx, sacrum vers les pieds, en posant les fesses. Hein. Tu enroules les jambes. Donc, il y a peu d'amplitude. Inspire, donc ça fait décoller un peu les fesses, donc creux. Expire, tire coccyx, tu enroules. C'est à peu près une bonne vitesse. Et tu fais un petit mouvement pour inspirer sur un dos plat à peu près, une cadence du front parallèle au sol, inspire, rétention. Serre le périnée ventre, crée une petite pression des coudes contre tes genoux pour allonger ta colonne, mais sur un plan horizontal. Ne cherche pas à creuser, on va arrondir. Tu maintiens le périnée ventre serré et vous soufflez tranquillement. Et en même temps, vous allez vous mettre tranquillement sur le dos. Tu veux te déplacer, changer de sens. Hop, prends le dos. Tu ajustes le bassin, la colonne allongée vers les talons et la nuque allongée loin de mes épaules. En soufflant, tu vas ramener au ventre creux, tu ramènes un genou puis l'autre vers toi. Et vous, avec vos mains, attrapez vos genoux, prévétilien. Ok, respire tranquillement. On a encore une petite expérience avant la relaxation. Aujourd'hui, on va faire une relaxation après poser sur le dos.
Le mouvement, c'est soit des bascules, soit de droite, gauche, gauche, droite. Ça, c'est la partie facile, mais en temps qui est bien efficace aussi. La partie plus intense, c'est vraiment si tu as l'habitude et que tu n'as pas de douleur au dos, etc. Ça fait beaucoup de bien au dos. Hein. Mais si c'est un petit peu sensible déjà, c'est délicat. C'est de rouler d'avant en arrière. Donc il faut enrouler un peu le dos déjà, lever le menton, lever un peu le coccyx. Donc, tu inspires les jambes dans le ciel vers toi, tu expires vers l'avant. Inspire en arrière, expire en avant. Un dos rond comme une tortue. Si c'est compliqué, tu vas vraiment droite, gauche, gauche, droite. Le mouvement doit être fluide, c'est saccadé, coupé, un change, on trouve la fluidité, c'est un massage, hein, pas de torture. Quelques secondes sur la direction de ta bascule, tu te retrouves immobile au centre, tête sur le sol, inspirez, les tensions, vous les pérennes et vous soufflez. En soufflant, tu poses tes pieds, tu vas être au sol, ajuster le bassin peut-être, et tu vas trouver l'espace suffisant pour poser tes jambes à plat. Tu mets un coussin sous tes genoux. S'il est suffisamment épais, maintenir les pieds au sol ou les jambes directement à plat sur ta colonne. Tu veux juste sentir que tu es confortable. Tu poses bien la tête au sol, le menton un petit peu rentré sans non plus bloquer, décontracter le ventre. Les bras sont allongés donc, le long du corps et vous tournez donc uniquement vos avant-bras pour diriger vos paumes de main vers le ciel. Tournez les avant-bras, tuc, sans tourner toutes les épaules. Et respiration longue et profonde. Je contracte le ventre, pleine conscience. Vous rentrez doucement en relaxation, c'est l'intégration tranquille de la pratique.
Prends le temps pour accentuer ton inspire-expire. Quelquefois, respiration profonde. Pendant que tu respires profondément, tu fais des petits mouvements dans les mains, les doigts, les orteils, un peu les jambes, un peu la tête. Tu pourras venir frotter les mains. Et masser le visage. Voilà, souvent tu plies les genoux vers toi. Tu roules vers un côté. Tu te retrouves en fœtus. Poser le bras plus proche du sol sous la tête. Et tu prends une par respiration. Poser, tranquille. Et du côté, tu actives tes appuis, lève un peu la tête et en soufflant, le ventre creux remonte tranquillement le corps pour trouver l'assise. Le haut sur ce petit coussin. Voilà. On va venir frotter les mains. J'ajoute les mains, toujours ensemble. Et les pouces au centre de la poitrine. Montre la ongle pour clôturer. Ventre décontracté pour inspirer. Et rentrez bien pour souffler. Encore inspirer. Et souffler. Conscience inspirée pour chanter. Oh. Et merci à vous, merci à la pratique en elle-même hein, qui est très puissante, qui nous permet de traverser ces phases un peu tumultueuses de l'existence, longtemps encore pour intégrer, observer. Et à demain, si tu veux bien, demain, 18h. Merci à vous, bonne journée à tous, à toutes. Au revoir.